nous prêcher à côté à Bisso pendant 1h20. Voilà, dans mon amour, pendant la minute, tout comme il parlait. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, 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 reçois la gloire
siècles des siècles. Des siècles à la siècle du siècle. Merci pour le pasteur Richard Sombélé. Attends, il faut que nous Richard Sombélé. Merci pour la confiance qu'il a placée en nous. Bon, il y a tiens, il a dit. Pour nous céder sa chair aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions de les bénir. De bénir sa chair épouse. De bénir tout ce qu'il fait pour toi. De bénir le bon tabernacle. Et toutes les églises et sœurs sont bénies par le nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants ce soir. Maintenant nous voulons ouvrir nos Bibles et lire ta parole. Seigneur, nous nous sentons très petits devant ce peuple. Pour qui tu es monté à la croix et tu es mort. Tu es comme William Branham l'a dit. À chaque fois que nous sommes derrière la chair, nous tremblons dans nos cœurs. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous te prions de nous écarter du chemin. Est-ce que le Saint-Esprit descende et éloigne les dons que tu as placés en nous pour que tu sois une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Bénis cette église, bénis chacun de tes enfants. Alors que nous nous recommandons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, notre divin maître, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Okay, Fanda. C'est grand homme de Dieu. Il a placé sa confiance en moi pour que je prêche ce soir. Vous savez, ce n'est pas facile à nos jours pour céder sa chair à quelqu'un. Alors, j'ai prié vraiment que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse toutes les églises sœurs. Par les moyens des réseaux sociaux. Nous voyons quand même ce que le pasteur fait. Et j'ai toujours apprécié ce qu'il fait. Et je désire un jour pour devenir un apôtre comme lui. Je crois que Dieu va me l'accorder ces temps d'avenir. Vous allez prier pour moi pour ça. Au moment de la première sur la ok, merci. Je salue tous les hommes de Dieu. Ah, mes amis sont là, des prédicateurs. Normalement, c'est eux qui devaient prêcher, ils sont très puissants plus que moi. Je suis heureux de les voir. Que Dieu vous bénisse beaucoup, mes frères. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la semaine, on doit courir après le temps. Nous allons nous tenir debout pour donner la parole de Dieu. Encore une fois, je remercie les pasteurs pour la confiance qu'il a placée en moi. 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Nous lirons le verset 10. 1 Chronique chapitre 29. Verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire. Dans tout ce qui est au ciel et sur la terre, à toi, Éternel, le règne. Quand tu te lèves souverainement au-dessus de tout, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes les choses. L'Éternel, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Amen. Nous le célébrons ce soir. Nous élevons son Saint nom. Parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à lui. Il est le Dieu qui a la puissance. Il est le Dieu qui a créé toutes les choses. Il est le roi de toutes
choses. Et le Dieu de Dieu ce soir, le Saint qui mérite toute la gloire, il ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comment je suis content d'être ici. Je suis le frère Atapis Gamba. Et par la grâce de Dieu, je vis en Amérique. Je vis à Charlotte, dans la Caroline du Nord. Et je suis le responsable des assemblées chrétiennes de la foi parfaite tabernacle. Nous avons eu la Charlotte et une dans une autre ville appelée Greensboro. Et nous sommes venus quand même pour les funérailles qui. Les obsèques du patriarche. Mais vous savez, c'est toujours bien de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Alors, nous sommes très heureux d'être ici. Pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères, mes chers sœurs, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour la vie que nous avons ce soir. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a tellement aimés. Il t'a tellement aimé. Il a pensé à nous. Il n'a pas voulu que nous puissions être perdus. Il n'a pas voulu que nous puissions mourir. Et il nous a envoyé un message. Il nous a envoyé un prophète dans ce temps de la fin. Qui nous a amené un message pour nous préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux ce soir d'avoir cru au message de William Marion Branham. Le seul message qui nous prépare pour la seconde venue de Jésus. Je crois que dans cette église, vous aimez William Marion Branham. Je sais que dans cette église, vous aimez le message du temps de la fin. Parce que dans ce message du temps de la fin, il y a la vie là-dedans. Il y a la puissance de la transformation. Dans ce message du temps de la fin, il y a la puissance qui prépare une épouse pour qu'un jour cette épouse puisse quitter la terre et pour qu'il puisse aller à la rencontre de son créateur. Et nous bénissons le Seigneur pour Malachi 4. Nous bénissons le Seigneur pour William Marion Branham. Nous bénissons le Seigneur pour le message du temps de la fin. Ce message qui est plus grave que toutes les révélations. Une révélation qui est plus puissante que toutes les autres révélations. Il s'agit de la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a été Dieu. Il est Dieu. Chacun de nous,
puissance est une limite. Et une limité. Et ça va super. Je sais de quoi je parle. Personne ne peut faire que ça puisse. Je crois que vous l'aimez ce soir. J'aime parler de lui. Quand je parle de lui, il est content. Il est content. Il est content. Les malades sont guéris. Il est content. Les aveugles de voir. Il est content. Les sourds attendent. Et ne louons pas. Alléluia. Il est content. Les bois qui marchent. Jésus est content. Le Saint-Esprit descend. Chaque sémence produira exactement ce qu'elle est. La parole de Dieu est une sémence. Et cette parole va produire exactement ce qu'elle est. Une centaine ou 200 pommes ou
300 boissons de pommes. Il y a 200 ou 300 boissons de pommes dans l'arbre pendant qu'il est juste aussi grand que ça. Jusqu'à ce qu'ils en poussent dans le haut. Savez-vous cela? Il dit chaque feuille qui ne sera jamais sur l'arbre est là dedans. À ce moment-là même, chaque pomme, chaque bourgeon et tout ce qui est sur l'arbre, tout ce qui sera jamais sur l'arbre, cela est là dedans. Pour votre guérison, pour votre salut, pour votre
La pression du pays, attends la pression de Satan, attends la pression de
secoue ici. Il secoue là-bas. Il secoue chez les enfants. Il secoue au travail. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Sa sorcellerie, qui continue, j'ai perdu, ouais, ça quitte sa sorcellerie, qui continue, j'ai perdu, ouais, ça quitte sa sorcellerie, qui continue, j'ai perdu, ouais, ça quitte sa sorcellerie, qui continue, j'ai perdu, ouais, ça quitte sa sorcellerie, qui continue, j'ai perdu, ouais, ça quitte sa sorcellerie, qui continue, j'ai perdu, ouais, ça quitte sa sorcellerie, qui continue, j'ai perdu, ouais,
plus puissant. Son sac, assis sac qui était sur ses jambes.
Mais c'est la scène à Molibo 5.
sommet. Vous voyez, le prophète dit, il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Prêcher en 1955. Il y a 6 octobre. Et paragraphe 19. Frère, on dit, il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Nous continuons sans cesse à avancer. C'est une fontaine illimitée de Dieu. C'est tout qu'on me donne $100. Donc, les signes, ceci va payer $60. Prenons plus. Il y a des bénédictions. Et ça ne va pas mourir. Il y a des puissances. Et ça ne va pas mourir. Donc, toi, tu ne connais rien à propos de ça. Oh, il y a bien et l'autre côté, il connaît. Il n'y a pas que de parler à l'âme. Au cas où le bâton t'a cité. Ok. Faut monter encore. Et c'est vraiment un souci. À des niveaux les plus élevés. Il s'agit de la vie par l'autre. Un couple est venu à moi. Baba, il s'est prié pour moi. Quelqu'un pour la vie. Il y a quoi? Je n'ai pas le travail. Ça tu as fait quoi la vie? J'ai fait. Il est ingénieur au bâtiment, tout ça. Attends là, pour le bâtiment sur lui. Et qu'est-ce que tu as déjà fait pour avoir le travail? Ben, ni le comme ça. J'ai cherché du travail, j'ai écrit. Alors, il a continué à demander après, il n'a dit pas. On ne me donne pas le travail. Parce que personne ne vous. J'ai dit, maintenant, tu veux quoi? Il a dit, c'est pas lui. Il dit, je veux le travail. Amen, Lili, nous Alléluia. Parce que mon épouse avance. Bon, moi, sinon, ça va. C'est dans mettre au monde. À la tasse au bout. Je ne travaille pas. Ça va nous salater. Qu'est-ce que nous allons faire? Si vous êtes au salon, Lili. Je lui ai dit. Alors, il a dit. Il y a un Dieu. Ça n'a pas de mon mot. Qui est capable. De te donner le travail, la confession au Seigneur. Avant, du bosso, que je rentre, dans son bas. Avant, du bosso, que je rentre, dans son bas. Je rentre demain, dans son somme à l'homme. Aujourd'hui, les lots. Quand je viens, dans mon soya, il m'envoie un message. À qui de l'image, ça? Dans mon téléphone. La téléphone. Papa tapisse. A dit papa tapisse. Elle m'a appelé. Ma belle Nunaï. À la présidence. La présidence. Elle m'a donné le travail. Ma personne m'a fait. Aujourd'hui, les on m'a donné le travail. Je suis à l'aéroport de Bernard. Son Dieu, il a une puissance. Azalabouya, illimité. Et ça, aujourd'hui,
William Branham. Il a prié pour cette fille, cette jeune fille, qui est restée sur les lits pendant, je crois, 9 ans et 8 mois. Elle s'appelle Georgie Carter. Qui était à l'article de la mort. Et ses jambes étaient devenues petites comme le brosse. Et comment tu dis quel encore ma brosse? Mais les tuer de Branham. Il est capable. Mais les tuer de Richard Sommel. Il est capable. Thank you.
Je veux le